Et salut tout le monde, c'est MinesCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Find the Button, épisode 2, donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien, et j'ai découvert un truc en faisant l'intro, parce que je me suis noyé en fait, je me suis pas noyé, mais j'avais plus d'oxygène, en fait ça nous fait des dégâts, mais c'est pas grave, parce que vu qu'on est en paisible, on meurt pas, donc, ah il y a mon téléphone qui, c'est pas grave. Ah si, attendez. Je vais l'éteindre. Je vais mettre en silencieux. Est-ce qu'on m'envoie ce message? Voilà. Alors, ça va juste être saoulant le fait que je me prenne masse dégâts. Donc faut qu'on trouve un bouton. Sachant qu'un bouton, il peut pas tenir sous l'eau normalement. Parce que l'eau le casse, je suis quasiment sûr. Donc... il est forcément là-dedans, mais il n'est pas là-dedans. Donc, à mon avis, il doit y avoir un passage secret quelque part. Ou un endroit où il n'y a plus d'eau. Genre là, vous voyez, derrière ça, là. Ouais, voilà. Parce qu'un bouton, ça peut pas être posé sous l'eau, parce que sinon, ça casse. Et voilà. The Forest. À mon avis, cette série va durer 3 épisodes. En plus, grâce à mon pack, du coup, je vois bien au-dessus des plantes. Ça va être plutôt pratique. The Forest. Ouh, attendez, je suis sûr que ça va être caché dans un tronc. Un peu du même style que ça. Oh, attendez. Je suis en mode survie. Ça m'a remis en mode survie quand j'ai des Kuroko. Okay, mode 0. Bon, je suis déjà en game mode 0. Game mode 2. Voilà. Hop. Alors. Ah ah. Des échelles. Maintenant, il n'y a plus de panneaux, genre trop lol. Moi je dis c'est pas cool. Alors on va continuer de chercher. Alors ça peut pas être posé sur les feuilles, les boutons. Okay. Oh, on peut aller voir dans les autres endroits. Ah non, il a mis des barrières. Donc ça peut pas être posé sur les blocs de feuilles. Donc il faut qu'on trouve des blocs normaux sur lesquels ça pourrait être posé. Genre ici, tu vois là. A mon avis c'est pas au-dessus parce que... alors il y a des jumps comme ça là. Ah moi je dis il y a moyen. Il y a clairement moyen que ce soit un truc comme ça, non. En fait non. Je pense vraiment pas que ce soit au-dessus. Je vais encore rechercher un petit peu mais... ça m'étonnerait. Genre peut-être par là il y a... ah. Ah ah. On descend un peu. Là. Là il y a quelque chose. Non il y a rien. Ah, on est bloqué. Ouais, ici, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen, mais c'est pas ici. Ici, il n'y a pas de bouton, on est d'accord. Ici non plus. Ou peut-être par là, mais on est déjà passé par là. Ah, bah maintenant on est bloqué. Non, non, c'est pas par là. En fait, je crois qu'il a juste fait un truc pour bien compliquer la vie. Alors qu'en fait, c'est pas du tout par là, donc on va descendre. Et on va chercher. Ici, non. Non, on a déjà vu au-dessus. Non plus, non plus. Si, non mais c'est que des... c'est forcément au-dessus. Hein. Puis il commence à faire nuit. On va rien voir du tout. Ok, non. Bon, c'est pas ici. Faut qu'on retrouve un autre passage de type trou. Il n'y en a qu'un de passage de type trou, je suis désolé. Ah, peut-être là, un passage de type trou. Non. Ah, on prend des dégâts. Ah non, ok, on prend des dégâts, mais ça fait rien. Bon, je pense qu'on va devoir repasser dans le passage de type trou. Hop. Maintenant, faut pas faire les cons. Oh, 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 il y a un truc là-bas. Faut qu'on fasse un jump, là.
Non, mais je crois que c'est pas possible en fait. Ah! Non, c'est pas possible. C'est impossible. Mais de toute façon, attendez, d'où le jump de là? Ah là, et là y a rien. Ça va me saouler. Oh, on est bloqué là. Oh non, c'est relou ça. Non, on est sorti de là tout à l'heure. Ah, je déteste être enfermé dans un endroit comme ça là. Non, on est officiellement bloqué. What? Ah, je trouve ça horrible. On peut plus bouger. Et comment vous voulez que je fasse, les gens? Mais ça m'a remis en game mode. Ah non, mais j'étais déjà en game mode aventure. En fait. Les gens, je vois vraiment pas comment on peut sortir de là. Donc je pense qu'on va utiliser un petit game mode. Voilà. Et on va se remettre là. Ah bah on est bloqué ici aussi de toute façon. On va se remettre ici. Je pense pas que c'est du cheat vu qu'on peut pas ressortir de toute façon une fois qu'on est là-dedans. Donc ouais. Non franchement ce niveau il est plutôt chaud. Du coup on va... Qu'est-ce qu'on va faire non bah, on va continuer de chercher hein, de toute façon. C'est notre seule option. Ah mais là je le sentais trop bien. Mais vous voyez. Ah mais je le sens remis en game mode 0. Attends je suis nul. Mais là, genre ça a été la cachette parfaite. Mais pourquoi tu l'as pas mis là, mon pote? C'est pas mon pote, vas-y, il cache des boutons, il pue. Là. Ouh, putain, il y a peut-être un truc là. Ou alors, on est tombé là tout à l'heure, mais... Ah, tout à l'heure, on peut pas rentrer par là, en fait. Logiquement. Bon, S'il est... Mais le pire, c'est qu'il peut totalement être au sol, mais... Je le vois pas quoi. Bon, franchement là, bien joué parce que là mon gars, je... Enfin, c'était encore plus dur le truc de la porte parce que fallait y penser. Hein. Mais là aussi c'est dur franchement. Un peu comme ma vie. Je déconne, ça va. Alors, il y a toujours rien ici. Mais genre, ça doit être un endroit tout con. Ah ah! Ici, ça sent le bouton, là. Je sais pas pourquoi ça sent le bouton. Ouais, genre là, d'ici là... Non, on peut rien toucher. Et genre là... Ah. Ah. Bon, bah, je crois qu'on est reparti... Ouais, je pense qu'on va partir sur une autre ellipse. Donc, on se retrouve une fois que j'ai trouvé le bouton. Ou une fois que j'ai trouvé peut-être la technique pour trouver le bouton. Attendez, on va chercher là, non. Ouais, donc on se retrouve tout de suite. Et re tout le monde, on se retrouve donc dans un tout autre décor. Puisque, en fait, il s'est passé... Il y a eu un bug avec le rec et un bug avec mon ordi. Le bug avec mon ordi, c'est que mon skin, je me suis décoroco, mon skin a disparu. Je sais pas pourquoi, donc tant pis, on va finir comme ça pour cet épisode. Et mais au prochain épisode il y sera, ça c'est sûr. Et on est plus dans l'ancien truc parce que j'ai cherché environ pendant genre 5 minutes après, donc dans la map avec les arbres là, et j'ai fini par trouver, bon en fait c'était un truc tout con, c'était caché dans les feuilles à un endroit genre assez simple mais où j'ai pas du tout pensé à chercher. Au final je l'ai trouvé, voilà, donc là on est dans une map avec un bateau. Et j'étais à deux doigts de trouver en fait ici. Et du coup bah on va recommencer. Alors et ouais, il y a eu un bug avec le rec, donc désolé. On recommence. Alors donc là j'avais déjà regardé ici, il n'y a rien du tout. Et en fait j'étais allé là et j'avais vu ça. Mais en fait il n'y a rien derrière. Et du coup je me suis dit, tiens si on essayait d'aller là. Hop. Et donc là il y a une autre dalle. Du coup ça nous permet d'aller ici. Là il y a un levier. Mais genre je sais pas à quoi il sert en fait, je me suis arrêté là. Et je n'entends pas de bruit de piston. Donc soit ce levier sert à rien et il faut aller sur la voile mais on peut pas y aller. Soit
Ça a ouvert un piston, ou alors ça a ouvert un truc avec un command block, mais ça l'a fait trop loin. Donc, dans tous les cas, ici, il n'y a rien eu, donc ça doit être en dessous, sous l'eau. Non, il y a l'air dur. Ah, si. Il y a ça, voilà. Je me disais, il n'y a rien, mais en fait, si. Voilà. Hop, par contre, voilà. Moyen, it's amazing. Ok. Si je passe là, ah, ok. Ouf, le petit saut. Donc en gros, si on touche les dalles, ça nous fait revenir au début. Ouh, ça va être relou, ça. Ok, une dalle. Oh, non, oh là là. Ok, ok, faut pas y aller trop comme un bourrin. Je pense que... Ouf, c'est assez chaud, hein, franchement. Franchement, sans deck, c'est plutôt chaud. Oh, attendez, il y a une technique, regardez. On est là. Et si on passe deux fois, la dalle elle reste appuyée, donc ça fait rien. Par contre, après, ça marche pas. Ok, voilà, on passe dessus. Non, c'est vraiment chaud, en fait, faut bien se concentrer. Donc, on va bien se concentrer, on va se mettre là. On va courir et on va tourner. Ouf. Ok, donc on va essayer de pas aller trop vite, sinon ça va vite. Alors on va se mettre là, on court et on tourne. En fait, si tu tournes trop, ça marche pas. Faut bien tourner. Voilà, comme ça. Faut avoir le coup de main. Voilà, on est en train de la voir un peu. Ouf. Ah non, me dis pas que c'est là-bas. Ça va être horrible à passer ça. On va tenter de passer à un autre endroit. Ouf, ça passe juste. Ah, j'aurais pas dû. Oh, ça c'est pas grave, on repasse, on commence à avoir le coup de main. Ça va être très très chaud. Ah ouais, ok, là on va souffrir les gars. Hop, là on passe easy. Là, est-ce qu'on passe easy là? Non, on passe easy. Ok, on passe pas easy. Ok, on retente, ça me stresse d'avoir une main pas normale. Ce skin dégueulasse. Là c'est pas easy. Oui. Alors là, je pense qu'on va faire genre un truc comme ça. Hop. Hop. Non. Oh non, je l'avais pas vu celle-là, j'ai continué d'avancer. Ah, ça va être trop chaud. On va galérer pour les deux là. Ah ouais, faut vraiment pas être un rageux. J'y vais trop vite. Allez. En fait, faut essayer de sauter au dernier moment. Ah. Alors, vous savez quoi? Enfin non, je vais pas faire d'ellipse parce que ça va être relou. Ça va être encore plus relou si je meurs à chaque fois. Ça c'est bon. Ah, c'est vraiment dur. Je pense que de là où vous regardez, ça a l'air simple, mais en vrai, c'est pas simple. Bon, allez. Encore une tentative. En plus c'est... Ouais, il devrait faire un checkpoint quand même parce que là ok, là ça passe. Maintenant ici, maintenant ici on va la jouer easy. Ah non, on peut pas jouer easy. Hop, ici c'est easy. Par contre là ça se corse un peu, pourtant c'est exactement le même jump hein. Enfin, c'est de le refaire. Ok. On est chaud les gars. Ah non. Allez, on retente. Allez, on retente. Hop, comme ça. Oh là, j'y croyais trop. Là j'y croyais pas en fait. Là on y croit. Oui. J'y croyais pas en fait. Non, je rigole. Maintenant, on va la jouer safe. Ah, il faut pas jouer safe. Vous savez quoi, je vais faire une ellipse. Quand j'arriverai devant le double saut là, je tente une dernière fois devant le double truc chiant là-bas. Ah non. Allez, je vais encore réessayer. Ok, ouais, bon, on se retrouve devant le saut super dur. Oh mon dieu, on est devant. Franchement, je vais pas mettre très longtemps à revenir devant, mais bon, allez. Faut qu'on
s'en fout, on y va direct, on est des malades, on va réussir. Us. Us. Oh non, mais j'ai reculé, mais quel trio, mais quel trio. Non, mais c'est horrible, parce que du coup, soit t'avances, soit tu recules, t'avances en mode, ah, il faut que je passe, et tu recules en mode, ah. Et, ok, j'ai une idée. Oh, oh non, ça m'a refait la même chose que tout à l'heure. On s'en fout, on a trouvé la technique. En gros, faut pas s'arrêter, c'est l'erreur à ne pas faire. Maintenant, on a la technique. On passe TKRL. Ah là, on a trop sauté, en fait. Il faut pas, genre, sauter trop loin, parce que du coup, on n'a pas le temps de ressauter. Oula, ça parle de sautage, là, c'est compliqué. Oh, attendez. Attends une seconde. Oh non, il aurait pas fait ça. Oh non, il nous a pas fait. Ah si, en fait, j'ai compris. En gros, le bouton, il est là. Et à mon avis, il faut qu'on aille jusque là-bas pour monter d'un cran. Et du coup, qu'on puisse sauter par-dessus tout le labyrinthe. Et que du coup, après, on puisse accéder au bouton. Ok, donc le bouton, il est là. Hush. C'est bon. Ok, on a compris la technique. Ah, j'avais fait une grosse série tout à l'heure. Est-ce qu'on recommence? Non! Mais vas-y, plus la bite ce jump. Jean-Michel Rageux. Ah, j'en étais sûr que ça n'avait pas passé ça, je l'ai fait trop vite. Ça aussi. Bon, on va se retrouver une fois qu'on aura passé le truc trop dur, parce que là, ça va prendre une heure sinon. Donc on se retrouve après. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je viens de réussir un jump. Et genre, c'était juste deux essais après l'ellipse. Non mais sérieux, ça me troll. Ok les gens, si là je l'ai pas, je rage, clairement. Oh, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Ok, alors là. Là, ok. Non, là, c'est pas là, je vous dis. Oh, non, c'est pas là. On va pas par là. On va pas. Ah, attendez. Il nous faut un truc sur quoi monter. Oh non. Attendez. Mais on a rien sur quoi monter, là, mais j'ai envie d'aller voir. Ça passe. Non, il n'y a rien. Je sais qu'il n'y a rien, mais j'y vais quand même. C'est horrible. Là, oh, par là. Ah, mais on vient de là. Bon, notre seul choix, c'est par là, les gars. Hein. Et là, il faut appuyer là. Eh oui, c'était logique. De toute façon, on pouvait rien faire d'autre. Alors, la pierre rouge. Alors, juste avant, je voulais juste regarder un truc. Je sais pas si on va le voir. Ok, l'épisode, du coup, fera 8 minutes. Plus 6 minutes, plus... attendez. 14 minutes... Ouais, je devrais pas faire ça en vidéo, mais c'est pas grave. 16 minutes, 17 minutes... ok. En gros, on a encore 3 minutes à peu près. Ok, ah, la redstone, ça c'est pour moi. Donc, nous, le piston appuie. Donc nous, on s'y connaît en redstone, donc déjà, il faut qu'on regarde par où ça part. Donc on va faire un circuit par là. Ah ok, ça va être un truc de rapidité, je pense. Déjà, si on étudie, ce courant de redstone va ici. Il va appuyer ce truc. Donc là, il faut que les deux torches soient éteintes pour que celle-là s'allume. Si celle-là s'allume, ça veut dire qu'il y a un bloc ici. Ce bloc ici met une impulsion ici. Ce qui fait que, ok, donc, on doit allumer. Oh, mais ça... Ah ok. D'accord, donc ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on fasse ça. C'est bon, et qu'on sprint là-dessus. Non. Faut qu'on sprint là-dessus. Allez. Oh. Et voilà. Maintenant, il faut désactiver ça. Et du coup... Oh, attendez. Ah, mais non, on peut y arriver quand même comme ça. Voilà. La redstone, je m'y connais pas mal. Donc franchement, là, c'était un truc surtout de rapidité, en fait. Maintenant... Ah, j'ai pas eu le temps de regarder le titre. Ah, ça fait un bruit dégueu quand on tourne. Bref, ne nous regardons pas, c'est quoi ça, je sais pas. Ça sert à rien. Oh. Ah, moi je dis ça sent pas bon ce petit levier au-dessus là. Je suis sûr que ça... Oh, en dessous des carpettes.
Ah oui, on peut marcher au-dessus des carpettes de toute façon. Donc ça a dû ouvrir un passage secret quelque part, je pense. Ou pas en fait. Ou pas. Mais si je touche, ça se fait rien. Là, je l'ai touché pas mal de fois, on n'a pas entendu de bruit de piston. Donc ça doit être un command block, donc normalement... si on se met là, on tombe pas, si on se met là, on tombe pas, si on se met là, non plus, 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 non plus. Oh! À tous les coups, c'est un truc avec ça. Il faut les faire tourner un certain nombre de fois. Ok, on va essayer plein de combinaisons. Je suis tellement sûr que c'est pas ça. Non, c'est impossible, sinon il y aura un truc derrière ça. Ah mais je veux voir ce qu'il y a là. Vas-y là. Ok, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, ça fait 4 minutes. Donc alors on regarde vite fait par là. Non, il n'y a rien. Ouais, bon. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner. En tout cas, moi, ça me fera super plaisir. Et donc, je vous dis à la prochaine pour... l'épisode 3, allez bye bye.